Et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre Beta Weekend 7 Icarus en coop avec Lodos et Capo. Aujourd'hui, on termine de récupérer tout ce qu'il nous faut pour partir en mission. C'est parti. Dis donc, les grottes, elles ont des parois épaisses hein, en ce moment. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai pris 3 levels quand je l'ai creusé. Ouais. Bah, c'est peut-être pour redonner un peu de chance au fait de se cacher dans une grotte face aux ours. D'accord. Ah oui, effectivement, elle est très épaisse, celle-là. On marque. Mais tu peux le réparer sur toi. Oui, ah oui, il faut qu'on fasse les arcs longs aussi si on a assez de cuir. Ah oui, c'est ce que je me disais, c'est un arc en bois basique que j'avais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Jusqu'ici, je ne vois rien. Pas non plus. Je vais regarder à droite, je te laisse regarder à gauche. On dirait qu'elle est vide. Mais complètement vide. C'est quoi cette grotte? En plus, c'est une grande fessée, quoi. Bah ouais. J'ai l'impression que sur ce prospect, il y a des petits bugs. Ouais, parce que totalement vide, c'est quand même curieux. Hein. Très curieux. Bon. Il y avait des grottes de l'autre côté. À l'opposé de là où on est. On est croisé deux tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que j'ai? Attends. C'est quoi ce truc? Frostbite. J'ai une engelure. Ah bon? Comment j'ai... Mais ça, je vais pouvoir faire des trucs normalement. C'est ce que j'avais fait l'autre jour. Il fait 19,6 degrés, comment tu veux que je chope une engelure, quoi, à un moment donné? C'était comment, d'ailleurs, je crois? Il te fallait de l'oxyde. Non, mais c'est bon. Ah oui, sauf que dès que je me mouille, ça repart à 300 secondes. Ah mince. Je t'ai dit un frostbite, un bandage thermique. Peut-être qu'on descend vers la base. Je pense. En même temps, il est 19h, ça va être l'heure d'aller se coucher. Pas du tout, on peut avoir un endroit. Parce que c'est là où on était venu chasser avec Capo. Ouais, non, c'est bien plus bas en fait. C'est là où il y a l'accès pour aller au désert, si je dis pas de bêtises. Bah, l'accès pour aller au désert, c'est là où on était. Ah oui, d'accord, ok. Par là. Ok. Où es-tu? Je viens me repérer. Je suis là. Ouais, c'est tout droit. Tu m'as retrouvé? Ouais, je vois ta torche, ok. J'étais un petit peu plus haut. Ok. Attention à ne pas foutre le feu. J'ai pas de tort. Il y en a une juste où je suis là. T'es où? Ma torche pour que tu... Ça descend là? Ouais. Ouais. Il y en a une ici et il y en a une un peu plus loin le long de la falaise. Bah écoute, on va se faire celle qui est ici déjà. Ah, merci.
Bon, les arcanons sont prêts dans l'établi. Ah, cool. Cool, merci. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse quoi? Plutôt arbalète? Plutôt lance? Plutôt les deux? Bah, la lance au corps à corps, elle est plutôt bien pratique. Et l'arbalète, je sais pas. Bon, il y a un bug. Il y a un bug. Allez, vide. Attends, soit il y a un bug, soit c'est fait exprès. Une deuxième caverne vide? Pas possible. Bah, peut-être qu'il y a que les cavernes juste à côté de chez nous où ils font spawner des trucs. Parce que... il faut pas qu'on ait jamais... trop de trucs. Vous n'êtes jamais arrivé d'avoir une caverne vide? Ouais, bien sûr, mais on a... si ça se trouve, c'est voulu dans le concept de la mission. C'est ça que je dis. Pour pas que tu partes avec trop... Bon, écoute, on rentre. Hein. Bah, tu disais qu'il y en avait une dernière? Ouais, il y en a une autre un peu plus loin. Parce que là, il y a une petite tempête. Oh, c'est une petite. Il semble que j'en avais vu une tout à l'heure. Et plus où. Bah, c'est avec où avec la tempête, il fait jour. Ouais, c'est... J'ai longé la paroi. Ouais, je te rattrape, mais je suis un peu lent. Il est où? Ah, et mon bladder est vide. Ouais, moi aussi. C'est là-bas qu'on voit bien. Attends, là-bas, non? On fait demi-tour? Ouais. Qui a été par là tout à l'heure. Je l'ai. Ah, c'est celle qu'on vient de faire. Ah bon? Non? Si, si, je crois que c'est celle qu'on vient de faire. Je la vois grande ouverte. Bon. Bon. Massacre au couteau. Trois lapins. Trois lapins et une chèvre. Mais des gros lapins. 43, oui. 44. Non mais je suis fou. Il me semblait qu'on avait une tout à l'heure ici. Bah peut-être que c'est... T'es peut-être passé deux fois devant et t'as cru que c'était pas la même. Peut-être. Par contre, je prends de l'exposition. Ouais, moi aussi, c'est... De manière violente, là. Par où est-ce qu'on peut redescendre? Là où je suis. Est-ce que tu sais que je ne te vois pas? Là, regarde, je suis ici, là. Un peu en... non, à ta droite. Tu me vois? Ouais. J'attendais que ma stam remonte pour... Ah bah, je devrais pouvoir descendre peut-être par là. Non, c'est un peu violent. Par ici? Non, c'est un peu violent. Merci.
Le bébé qui est level... Ah ! Il y a le feu à la maison ou quoi ? Capot ? Non. Je sais pas, de loin je voyais des flammes sur la maison. Non. Ah non, je vois pas. Tu es fou. Ah puis là j'ai l'oxygène qui est... Un ouais, tiers. Pareil. Vide aussi les gars. Ah ouais non mais nous on est en train de crever Capot. Bah justement je vous en prépare un, moi je suis fou l'oxygène. Prenez-le hein, celui qui sent. Ok, merci. Moi je suis. Bah je suis pas en train de crever mais c'est orange foncé. Ça va mieux. Vous pouvez prendre vos armures aussi. Alors qu'est-ce que j'avais pas ? J'avais pas les jambes, le bras et la jupette. Les arcs longs. Qui t'a conclu pour les frostbite ou en vase thermique là ? Non, je l'ai plus le frostbite. C'est bon. D'accord, vous avez quelques bandages et des bandages. Donc, comment ça s'appelle le truc de suture. Kit de suture, hein, tu les as mis où? Dans l'armoire. Ah. Et je tenais le frostbite en dessous au cas où. T'en as pris toi des kits de suture? Moi j'en ai sur moi. Okay. Vous pouvez, j'en ai pris 3, je te laisse les 4 cap. Oui. Le dos. Et des bandages normaux, pareil, il faut les partager. Ouais, mais des bandages normaux, moi je sais en faire. Donc je les laisse. Ouais, mais ça peut aider d'en avoir rapidement. Quoi. Oui. Moi, bandages normaux, je sais les faire aussi. Ouais. Donc, on a dit qu'on faisait quoi ? En termes d'armes. Les arcs longs, c'est sûr, ça c'est fait. Si je pose ça là-dedans pour voir. Il me faut du bois et du cuir. Je viens de poser tout ce que... Il me faut du bois. Des clous pour la crossbow ça coûte 12, la lance ça coûte 24, là on en a 146, donc si j'en fais 3 ça prend 72, il en restera 74 moins 36, il en restera 38 à peu près hein. Donc on peut se faire lance plus arbalète avec 10 carreaux chacun. Déjà je fais les 3 lances. Ensuite je vais faire un petit clou. Pour du fer qui est en train de fondre. Ouais, je vois ça. Après on peut faire... Je peux récupérer le cuivre aussi. Parce que comme ça on peut se faire des carreaux en cuivre. Plutôt qu'en fer, ouais. Bah on peut faire... Quelqu'un prend des carreaux en cuivre, les autres prennent des carreaux en fer par exemple. Mmh. Ah, manque du cuir. Il en reste un peu. Attends, j'en ai là.
On manque du bois. Ouais, ça. Ouais, ouais. Si vous voulez dormir. T'avais fait du bois, Capot ? Ouais, il y a 4, 6 paquets de bois dehors. Ah, j'avais pas regardé. Ah oui, yes. Non, ça c'était de la pierre. J'ai pris à droite. C'est l'autre gauche. Fallait le dire tout de suite. Ah oui. Voilà. Donc, il y a lance à prendre. Je démarre les arbalètes. Et ce qu'on va faire, ce qu'on disait avant que tu reviennes, Capot, vu ce qu'on a, je vais faire des carreaux en cuivre plus des carreaux en fer. Voilà. Et des carreaux en fer, combien je peux en faire? Ah, il faut que je récupère le... Ah oui, non, c'est vrai, ça prend... Ça en prend deux. Passage, ça. Au passage, je peux poser quelques os, je pense. Ouais, j'ai tout posé. On perd les os. Ah bah oui. Par contre, tiens, c'est où qu'il faut qu'on aille? Ouais, il y a 3 points pour là. C'est pas loin en fait, hein. Non, ça va, en J14, les 3 sont en J14. Juste trianguler. Pas trop quoi prendre. Ouais, pareil, je regardais, mais. Après, je peux peut-être pousser un peu plus dans la survie. Il y a un point de talent qui me permet, moi, de récupérer des points de vie quand je ressuscite quelqu'un. Et vitesse de déplacement la nuit. Je perds pas grand-chose. Ouh, les carreaux en cuivre sont légèrement meilleurs que les carreaux en... En fer ? En fer. Et... Légèrement, hein, c'est pas non plus... T'as des bandages à prendre hein, dans le... Alors moi, c'est qu'on n'a pas, et de la levure si t'as besoin. Ouais, je... Tout ce qui est fleurs, tout ce qui est fleurs... Les... les mettre direct dans l'herbalisme au pire. Carreaux en fer, ils font 80 à 90. De 80 à 90, les carreaux en cuivre de 85 à 95. Ok, d'accord, ouais. C'est un point de plus. Tout petit peu. Dans l'herbalisme, tu dis qu'on peut te poser... Mais j'ai du yeast. Déjà fait. Est-ce qu'il nous reste du cuir en quantité suffisante du coup? Cuir, je pense pas qu'il t'en reste beaucoup. Hein. 40 en fer, je peux les prendre là? C'est 40 par personne? Non, c'est pas 40 par personne. Je suis en train de les finir, j'attends la fin des lingots et on verra combien vous pourrez en partager en deux. Pourquoi j'ai 100 stones sur moi? Est-ce que t'as ramassé un paquet de stones à l'extérieur? Oui, mais j'en ai refait un que j'ai reposé. Oh. Ah bah parce que non, c'est ce que j'avais ramassé en ouvrant des grottes. Oui. Waterskin c'est 12, donc si on en avait 36 de cuir, on pourrait faire 3 waterskin. J'en ai plus du tout. Du cuir il en reste je crois. Bah non,
Il reste là, complètement évacué dans la texture de l'armure. 198 même. Ouais, mais il y en a plein encore. Et vous pouvez vous prendre un water skin chacun. Et on peut même se faire un blader de rab au cas où. Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau? C'est moi, je voulais aller boire, j'étais trop près de lui. C'est pour ça que je vais au niveau du lac. Moi je pars. À côté de la maison, ça va, on peut remonter. J'étais un peu trop près. Ok, donc j'aurais dû les mettre directement là-dedans, les blader en rab. Ah oui, d'accord, on a du bois ici. Là. Alors, toi, tu as terminé les 10 derniers. Ah, bois. Où est-ce que j'ai foutu mon bois? Ah, salut Kirito. Oui, salut Kirito. Kirito? Où ça Kirito? Salut Krios. Krios, pourquoi je dis Kirito? N'importe quoi. Krios, désolé. Krios, je pense que tu pourras nous rejoindre sur le prochain prospect si on attaque ce soir. Parce que là, on est quasiment prêt à décoller. Enfin, je pense. Ok. Donc, il y a 22 et 23 carreaux en fer. Avec tout le fer qu'on avait. C'est moi que je prends, mais je prends un paquet de 22. Après, au pire, j'en ai un peu plus, moi, juste que j'ai pris les cuivres. J'en ai 29 cuivres. Mais je pense que. Ah, j'espère que ça suffira. Le cuivre. Le cuir, je repose là. Ça, ça cuit toujours. Est-ce qu'on se fait une cahute de fortune? Au cas où qu'on ait une tempête ou. Ouais. On doit attendre assez longtemps pour que ça se débloque. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a de quoi refaire des lits aussi? Fourrure, il y en a pas beaucoup. Fourrure, il y en a 51. Il y en a dans le même. Oui, largement. Si on peut, ouais, on va refaire 3 lits. Oh bah. Refaisant un seul, comme ça on se met tous le spawn sur un lit ici et puis on part avec, avec 3. Ouais. Qu'est-ce qui me manque? Encore du bois. Ah, il me faut 10 cuirs par contre. Je les ai reposés dans la crafting bench. Il y en a 99. Mais bon. Ok. J'ai fait. Mince. J'ai fait un pieu. Moi j'ai tout le setup pour pioncer. Pour. Enfin la cahute. On a tout le temps, je crois. Ouais. Vous pouvez vous coucher, parce qu'on a plus beaucoup de temps pour prendre les bonus. C'est bon. On se prend un lit chacun. Bah ah oui, et toi on tu se met sur celui qui est... ouais. On se met sur celui qui est plus près de. Ouais, sur ce. Ouais. Ramassez-vous un stack de viande. Normalement, il y en avait ici, oui. Je remets 18.
Là. Un stack complet, hein, vous prenez. Oui, j'ai pris un stack de 20. Ouais. Normalement, j'avais fait des bladders, ils ont dû se remplir. Donc, bladder de secours, c'est bon. Par contre, sur la mission. Ouais, mais. Pas qu'on utilise des radars ? Je pense qu'ils sont dans les caisses. D'accord. Je pense qu'ils sont dans les caisses. J'éteins le feu du coup ? Oui. Oui. Je vais boire un coup. Faut que je prenne mon pot. Ton deuxième quoi ? Mon deuxième raison. Ah oui. Le premier, il est où ? Je craft un feu de camp aussi. Je me re-remplis le. C'est autour du lac du J14 qui arrive. Ouais. Je me suis re-rempli mon réservoir d'hydrogène. D'oxygène. Je suis pareil. À partir de là, il n'y a que du PNS. Petite seconde, moi il est plein. Je suis pareil. Donc ben, on monte direction plein est, direction. Ah oui, mais le bonus d'oxygène se cumule en fait. Ah oui. Ah non, O2. Non, c'est le petit 2 qu'il y a dessus, c'est le 2 de O2. Le O2, oui. Ah non, il se cumule. J'en ai deux. Ouais, j'en ai deux aussi. Ah bon ? De temps en temps, celui à capot qui apparaît, ouais. Bah, en fait, moi, il faut vraiment que je vous colle. Ouais, il faut être prêt les uns les autres. Ouais, ouais, parce que moi j'ai le mien d'office et celui-là. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.